Ouais, je vous amenais ce qu'on utilise nous maintenant comme transmetteur et récepteur. Ils sont ici. Donc ça, c'est chacun est une paire de récepteurs. Ah ok, c'est pour ça qu'il y a une double antenne. Non, parce que certains ont double antenne pour avoir une diversité, pour aller chercher le signal selon l'antenne. Donc celui-ci, je peux décider qu'il soit simple, il aura un signal plus fort, ah, okay. Ou double, dépendamment. Donc, et les transmetteurs qu'on utilise maintenant. Sur le bouton volume, est-ce qu'il y a des filtres que vous pouvez... Oui, je peux mettre des filtres. Et ça, c'est les transmetteurs à double batterie simple. Et d'autres un peu plus anciens, un peu plus gros. Ça, c'est quand même pratique. C'est très pratique. Attendez. Et ça, c'est l'enregistreuse, une enregistreuse relativement standard qu'on utilise maintenant, qui peut marcher sur une batterie comme ça pendant un avant-midi. Et qui passe tout le lithium, ça se recharge. Exact. Ouais, ouais. C'est ça. Ok. Voilà, quoi. Donc j'imagine que c'est pas les mêmes grosseurs de batterie et le même poids, non? Non, non, parce que dans ça, il y avait 12 batteries, des grosses batteries D. C'est voilà. Signal externe. Et ça, c'est une enregistreuse 12 pistes. Plus le mix, plus deux mix. Donc ça fait 16 pistes en tout. En tout, 16 ouais. Pistes. Donc, vous avez 12 entrées? J'ai 12 entrées. J'ai 6 principales ici contrôlables. Je peux mettre une autre extension ici qui me laisserait contrôler les 6 autres pistes. Mais ça ne met pas une extension ici. OK. Il faut que ça rajoute du poids. Voilà. En général, plus que 6 pistes du planteur. Et puis, pour avoir accès au filtre, j'ai tout dans les menus de chaque truc. Donc, voilà. Les filtres sont analogues. Et le reste est digital, l'entrée, les préamps sont analogues, et le reste, l'intérieur, architecture intérieure est digital.